Chers amis, nous nous préparons à la venue de Jésus en lisant le texte de l'évangile de ce jour, de l'évangile selon saint Luc au chapitre 1, versets 67 à 69. Et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint. Il se mit à prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder que sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice, devant lui tout au long de nos jours. Or, toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer, pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visité l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Dans ce texte, Zacharie prophétise sur son fils Jean en lui disant « Tu seras, toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Un prophète, c'est une personne qui reçoit la parole de Dieu et la transmet aux hommes. Et c'est ce que Jean a fait à travers son ministère. Il a reçu la parole de Dieu, il a vécu dans la parole de Dieu, s'est mis à l'écoute de la parole de Dieu pour la transmettre aux hommes. Mais la transmettre de quelle façon? Tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut. La première chose que Jean a fait, c'est préparer les voies du Seigneur, préparer le cœur des gens d'Israël, du peuple d'Israël, les préparer à recevoir Jésus, à reconnaître le Messie lorsqu'il arriverait. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Saint Jean indique Jésus et indique en Jésus la solution au problème de l'humanité. Notre problème, c'est que tous nous sommes pécheurs. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ensuite, sa mission, c'est de donner à son peuple la connaissance du salut. La connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Dans le peuple d'Israël, la parole connaissance signifie une expérience. Et à travers Jean, le Seigneur veut donner une expérience du salut. La connaissance de celui qui est le sauveur, une expérience de celui qui est le sauveur. Et à travers le baptême de repentance que Jean fera, il aidera les personnes à s'ouvrir, à reconnaître d'abord quel est leur problème, leur péché, et ensuite il l'indiquera, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ce salut vient comment? Il vient par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu. Voilà ce que le Seigneur fait à travers Jean. Il vient nous indiquer l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève le péché du monde et qui nous sauve comment? Par la rémission de nos péchés. C'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il s'est fait homme pour être solidaire avec nous et ensuite il s'est laissé clouer au bois de la croix. Il a pris dans son corps nos péchés sur le bois de la croix et il est mort en nous pardonnant. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici l'œuvre du salut. Dieu s'est fait homme. Prépare ton cœur pour recevoir le Dieu qui se fait homme, afin qu'il trouve un cœur ouvert, un cœur qui l'accueille, un cœur qui l'aime, un cœur où il y a de la place pour lui. Que le Seigneur te bénisse, ouvre ton cœur et accueille Jésus. Amen.
Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous avez aimé. Nous nous approchons de Noël et je voudrais vous inviter à nous faire un cadeau. Aidez-nous à atteindre 1000 inscriptions à notre chaîne YouTube. De cette façon, toujours plus de personnes vont pouvoir recevoir la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et si vous êtes déjà inscrit, simplement transmettez ce message à des personnes que vous aimez, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin d'être encouragées et invitez-les à s'inscrire à notre chaîne YouTube. Et de cette façon, toujours plus de personnes vont recevoir la parole de vie qui va transformer leur vie. Merci de tout cœur et à tout bientôt.